Hare Krishna. So, la bienvenue tout bonne personne. On fait un petit kirtan après nous. On commence nos classes. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijanavallabha Girivaradhari Jashodanandana Vrajajanaranjana Jamunatirabhanachari Kunjabihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanarandana Jamunatirabhanachari Kunjabihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jashodanandana Brajajanaranjana Jamunatirabhanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Vishnu Pad Parabhasma Paribhajagacharya Stotra Astashishmara Vacharana Arvinda Bhakti Vedanta Gosim Harat Shri Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Bhakta Vrinda Ki Jai Namacharya Shri Adashtakura Ki Jai Prem Sakho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Kadathara Sivashri Shikoro Bhakta Brinde Ki Jai Shri Radha Krishna Gopinath Siyama Kunda Radha Kundgiri Vadhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Dhamaya Purna Vrib Dham Ki Jai Nilaja Chandra Gans Pritham Ki Jai Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai Ganga Jamala Sarasati Mai Ki Jai Sama Veda Bhakta Brinde Ki Jai Ananta Kati Vaishnava Bhakta Brinde Ki Jai Grandaraja Shri Bhagavatam Ki Jai Shri Sinita Gora Premanande Hari Hari Bol Hare Krishna So, encore une fois, merci. Rendez-vous qui là. Et le YouTube et le Facebook et le Zoom. Aujourd'hui, nous embarquons le chapitre 10. Dernier chapitre dans le canto 2 de Srimad Bhagavatam. Depuis deux heures, moi ici là. J'ai une classe tout ça là. On dit que dans le temps. C'est une très intéressante présentation. Ça par Shukdev Goswami, le 10 topics de Srimad Bhagavatam. Nous avons un peu un visuel, nous avons un peu un PowerPoint, nous avons préparé pour qu'on présente ça. Il y a un très, très intéressant sujet. Et il y en a beaucoup là-dedans. Si nous, nous, tu suis place là, là, dis-le ça, NBS est là. Cette session, 2 heures de temps, 14 heures de temps. Sur les points qui sont difficiles pour nous aller dans ce détail-là, parce que nous faisons 3 sessions, il vous suffit. 3 sessions parce que vous êtes capable d'entrer en grande, en profondeur. Sridhar Maharaj vient faire commenter là, Vishwanath Chakravarti Thakur vient faire commenter là, Vyasadeva vient faire commenter là. Naturellement, Srila Prabhupada a beaucoup commenté là, mais plus intéressant et important que tout, c'est que Jiva Goswami, il y en a beaucoup commenté alors, qui fait ça dit ce sujet-là d'y approcher dans le chemin de Bhagavatam. Et donc,
nous voit, selon l'explication de Srila Prabhupada et définition de sa bande différents topics, mais nous vous faisons une introduction sur certains topics sur Srimad Bhagavatam et qui fait l'Yahita. So, donc, certains topics sur Srimad Bhagavatam, les forment sa premier verset dans chapitre 10 de deuxième canto, qui est le dernier chapitre dans le deuxième canto de Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is an answer to all questions. C'est Srila Prabhupada qui donne un titre comme ça devant un chapitre. OK? So, ça dit les caractéristiques de sa Purana. Ça dit les classifications de un topic dans sa Bhagavat Purana, dans sa Srimad Bhagavatam, qui il était et qui fait lui comme ça, et qui fait, qui était le but de tout ça là. So, nous vous doucement, doucement approche ça, sujet là, aujourd'hui. So, ça le plus important dans sa partie là. Et après, dans sa chapitre là, ça dit caractéristique de sa Purana, 10 sujets qui traite par sa Purana. Quand ça finit, il est là au gain. Bhagavan qui m'a dit encore rentre dans la création d'une autre qualité, explication. Dans différents senses and body of the living beings qui m'a dit parallèlement créé par désir de Bhagavan pour servir sur l'écho. So, nous voyons systématiquement, libre prend nous, ça veut dire environ 5 heures de temps tout pour compléter ça, ce sujet-là. So, nous ne voyons pas plus que ça. So, laisse-moi lire le premier verset. On nous fait une obéissance à Srimad Bhagavatam. OK. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udhirayet. Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Krantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Sri Sukha Uvacha. Atra Sargo Visargascha. Sthanam Poshanam Uttaya. Manvantare sanukatha nirodha mukti rashraya Shri Shuka uvacha atra sargo visargascha sthanam poshanam uttaya manvantare sanukatha nirodha mukti rashraya Shri Shuka uvacha Shri Shukadev Goswami said Atra in this Srimad Bhagavatam, Sarga of the creation of the universe, Visarga statement of sub-creation, Cha also, Sthanam, planetary systems, Poshanam, protection, Uttaya, the creative impetus, Manvantara, change of Manus, Ishanukatha, the science of God, Nirodha, going back home, back to Godhead, mukti, liberation, ashraya, the samam bonam. Sri Sukadeva Goswami said, in the Srimad Bhagavatam, there are 10 divisions of statement regarding the following. The creation of the universe, sub-creation, planetary systems, protection by the Lord, the creative impetus, the change of Manus, the science of God, returning home back to Godhead, liberation, and the Sanam Bonam. Om Ajnana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshus. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Sapatantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivashadi Shigora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rantaraj Shmad Bhagavatam Ki Jai. So, Sadhis topic de Shmad Bhagavatam, nous entamons un summary study, une étude simplifiée de Sadhis topic de Shmad Bhagavatam qui nous fait clé à sa verset 2, 9, 1. Oh, sorry, 2, 10, 1. Ok? So, alors, sur Shukdev Goswami, les causes, le sa subject matter de Shrimad Bhagavatam à la fin pratiquement du deuxième canto. Et il trouve ça important maintenant pour introduire ça, pour donner l'importance à sa sujet. Et il aussi montre nous qui fait les faits comme ça. Tandis qu'il y en a deux sujets qui ne finissent discuter pratiquement, pas complètement, mais en partie. C'est parce que sa Shrimad Bhagavatam est actuellement très systématique, un livre très, très, très systématique. Et lui montrer qu'il y a un livre très systématique et ou bien étudier lui systématiquement depuis au commencement jusqu'à la fin. Un nouveau signe teacher, c'est veut dire que quand vous pouvez étudier nous avons encore arrivé au dixième canto, mais quand tu peux étudier le dixième canto avec Bhurijan Prabhu, tu trouves qu'il comprend la Rasalila, il est extrêmement, extrêmement compliqué. Mais beaucoup de personnes nous sautent directement le Krishna Book, nous commençons à le dixième lila, dixième canto de Shrimad Bhagavatam et nous lire Rasalila. Et bien, personne qui peut étudier Shrimad Bhagavatam ensemble avec nous, plusieurs reprises chez le Prabhupada, il dit ça, il y a une bien méchant quelque chose pour faire, bien mauvais quelque chose pour faire, qui nous a directement lié à Shrimad Bhagavatam et nous essayons de comprendre celui-là. Et bien, une personne qui prend 6 ans pour étudier systématiquement Shrimad Bhagavatam depuis le premier canto jusqu'au 9e canto, quand ça arrive, le comprendre Bhagavan Sri Krishna ce lila, ce celui-là dans le 6e canto, il paraît très compliqué. So, sa systématique étude de Shrimad Bhagavatam, il fait pour nous capables actuellement de comprendre Bhagavan Sri Krishna. So, normalement, qui fait à ce il y en a 10 topics qui classifient tout sa subject matter dans Shrimad Bhagavatam, c'est actuellement dans déontologie védique, classification de la littérature védique. Pour un Purana, il prend pour un narrative, un livre, il prend nom de Purana, il peut traiter 5 topics. Dans 5 topics, il est obligé de traiter 5 topics différents pour un Purana, pour un livre, il y a un Purana. Et Vyasadeva explique ça comme ça. Il ne faut pas vous rendre dans le sujet de ces 5 topics. Okay. Mais pour un Mahapurana, il y a 10 topics qu'il est traité. Donc, Shrimad Bhagavatam, il traite sa 10 topics qu'il décrit dans sa verset 2, 9, 2, 10, 1. Atra sharga visargascha sthana poshana utthaya manvantarisu na katha nirodha mukti ashraya. Et ça verset là il actuellement décrit sa dystopique et nous pour aller systématiquement d'abord nous pour guetter quel était le but de comprendre ce van dystopique. OK, mais avant de faire ça, Sukadev Goswami il fait un très joli la prière avant il entame sa sujet. Actuellement, je ne vais pas réussir à gagner sur sanskrit d'autres parce que moi, le computer n'est pas parti avec moi. So, Sukadeva Goswami lui fait une prière dans Krishna Stava et dans Krishna Stava, il y a une très jolie la prière qui dit une prière de Shrimad Bhagavatam by Sanatana Goswami. Il dit au nectar qui tourne depuis sa océan de toute la littérature védique. Oh, le plus prominent transcendantal fruit de tout un Veda. Ou qui enrichit avec sa bijou de toute sa philosophie spirituelle et bonne conclusion. Oh, Shrimad Bhagavatam, qui donne-nous sa vision spirituelle, nous, toute bonne personne dans le monde. Ou qui Vaishnava Priyam, ou qui la vie prana, toute bonne Vaishnava. Oh, Prabhu, Shrimad Bhagavatam, ou sa soleil,
Ou sa soleil qui ne levait, pour dissiper sa nuotée dans le monde de Kali Yuga. Ou actuellement, Bhagavan, c'est Krishna qui vient retourner parmi nous, et ça, vous le connaissez dans le chapitre 3, verset 10, non? En chapitre 4, verset 10. Krishna sa dhamma upagate dharma jnana adivissa kalo drashanashaya kapurana arko arunodito. Qui Bhagavan, c'est Krishna, après qu'il retourne dans ce dham, à la fin de Kali Yuga. L'Iré descend et réincarné, l'Iré prend ce power, ce shakti, dans la forme de Srimad Bhagavatam. Krishna Swadham Upagate. Quand Krishna Bhagavan inhale ce dham, Upagate, avec qui? Avec dharma, jnana, adivisa. Avec ce dharma, religious principles and philosophical knowledge. Jnana. Alors, Kali Yuga les plonge dans une noirceur extraordinaire. Kalo drishanasha ekam. Alors, dans sa noirceur de Kali Yuga, Purana Arko, the light of the Bhagavad, sa la lumière brillante de sa Bhagavatam, Purana Arko, Udino Udita, li rise again, li leve encore une fois, pour dans sa la lumière dans sa l'âge de Kali. Et donc, Sanatana Goswami li met ça. Dans ce très joli la prière. O Lord, you are the sun which has arisen to dispel the darkness of Kali Yuga. You are actually Lord Sri Krishna himself. So Bhagavan y retourne. Et c'est ça qui peut expliquer ici. So, nous continuons à guetter sa aims de sa Srimad Bhagavatam. Ok. Alors Srimad Bhagavatam, il plane très très systématiquement. Ne pas penser, non, parce que nous penser un gros livre comme ça, ok, c'est un quoi. Mais actuellement, il est planifié très, très systématiquement. Et il y a un livre très scientifique. Et ce but, c'est amener une révolution dans nos consciousness. Yatta viplavo, janata viplavo, yasmin pati sloka gunanu vadyapi, namani anantasya yatun kitaniyat. Gayanti grananti, grananti sadhava, qui est une personne qui est avisée, qui est complètement honnête dans cette approche à Krishna consciousness. C'est pour comprendre que sa présentation de Srimad Bhagavatam lui amène un changement spirituel, une révolution dans consciousness de l'humanité. Et Prabhupada lui met ça dans son préface. Alors, il y a un trait qui fait des scientifiques. C'est parce que si une personne l'a projeté dans la méthodologie que Krishna, que Vyasadeva, Shukadeva Goswami, les Banacharyas ont donné nous pour approcher sa Srimad Bhagavatam dans sa façon. Pas pour faire Ban Bhagavat Katha pour attirer un millier de monde pour gagner l'argent. Pas pour faire Srimad Bhagavatam un moyen pour nous vivre. Pas pour faire Srimad Bhagavatam pour gagner une réputation. Pas pour faire Srimad Bhagavatam lire ce qu'il nous a envie de lire, ce qu'il nous a envie de lire, nous pas dire. Mais il y a une présentation scientifique et une personne, s'il est approché systématiquement, il y amène un changement dans consciousness. Qui changement il y amène? Il tient nous, depuis dans sa bodily conception of life, il retient nous, shoka, moha et bhaya. Dans le premier canto de Srimad Bhagavatam, chapitre 7, verset 7, chapitre 1, 7, 7, hein? Ou bien 1-7-17, laisse-moi chercher. Moi, il y a ça, très joli ça. Où vous trouvez qui 1-7-7. 1-7-7. Oui, ok. Yasyam vaishuyamanayam Krishne paramapurushe Bhaktir utpadyate pumsam sokamoha bhayapaha. Simply by giving oral reception. Écoutez attentivement. To this Vedic literature, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna. The feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the Supreme Lord, sprouts up at once. So, quand nous écoutons attentivement sa littérature védique,
sa sentiment de service de dévotion pour Bhagavan Sri Krishna lui soulever. Il commence à pousser dans le cœur. So, at once, c'est-à-dire tout de suite, il commence à sentir un enchantement ou commence à gagner sa sentiment qui est un bhakti qui peut grandir dans le cœur. Et sa bhakti qui grandit, il dit bhakti upadyate pumsa putuman jimun. Qui écoutait attentivement. Les gens, trois petites choses. Nous avons péché qui laisse l'empreinte dans le passé, dans nous la vie. Ban lamentation, appelé soka. Et moha, attachement, illusion qui nous file à Stella pour une certaine petite chose. Power, position, nom, gloire, l'argent, monsieur, madame, moha. Et bhava. Bhaya, bhaya prabha, déjà fear, c'est pour man sinful activities qui sont entamées, qui donnent nous frayer, qui peut arriver dans le futur, qui peut arriver mon business, qui peut arriver mon famille, qui peut arriver moi, qui peut arriver mon écho, qui peut arriver mon réputation, fear. Ce ça, moha, c'est man sinful activities qui fait nous attacher avec ça le monde matériel. Un sinful activity qui pense qu'on commence à prendre ce fruit, il donne frayeur. So, un sannyasi, il n'est pas supposé une frayeur du tout. C'est parce que. Excusez-moi. Un sannyasi, il n'est pas une frayeur du tout parce qu'il give up sans qualification. Je ne le prends pas d'expliquer. Un sannyasi, il est supposé fearless. Vous êtes capable d'être fearless pour ne pas concerné par le futur. Enfin, nous pensons que sannyas veut dire renoncer. Non, ça lie une fraude parce qu'il n'y a pas de rien qui pour nous, parce qu'il nous pour renoncer. Quand une personne lit un brahmachari ou soit lit un dévot, personne renoncer, il n'y a pas de rien. Sannyas veut dire renonciation. Sannyas veut dire actuellement give up, sense gratification. Quand une personne lit complètement give up, sense gratification, il n'est pas concerné ni pour son nom, ni pour son gloire, ni pour son argent, ni pour son. Il n'est pas protégé, non rien, parce qu'il est peine à frayer. So, nous dans le système, il est comme ça. So, une personne, s'il est capable d'arriver dans sa position qui no fear, il n'y a aucun frayeur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune base pour qu'il y ait une insécurité dans la vie parce que so kan moha bhaya. Il n'y a so kan lamentation pour le passé, il n'y a moha attachement pour le présent, il n'y a frayeur pour le futur. So, ça, changement-là, il vient doucement, doucement, quand on est attaché avec Bhagavan Sri Krishna à travers Bhagavatam. Et dans 11e canto, quand on lit Uddhava Gita, quand on lit Bhagavan Sri Krishna, qui m'a dit, pense à l'exemple de Avanti Brahmana, après, il explique ça bien en détail, où on est extrêmement intéressé pour vraiment étudier Bhagavatam. So, quand on commence à guetter, l'Edu, ça, dystopique, planifié systématiquement, lui emmène un changement scientifique dans consciousness. Lui emmène un attachement pour Krishna dans le sens qu'il vient dire là. Bhakti rupapad dite pom sam soka moha bhaya paha. Bhaya ek moha ek fia pour le futur, il finit aller. So, vous gagnez un attachement de plus en plus régulier pour Krishna. Et aussi, le but de Srimad Bhagavatam, c'est qu'il vous guette comme un whole ensemble. Il n'est pas simplement une collection de telles histoires. Ok, Narsingadev Bhagwan et Prahlad Maharaj dans 7e canto, Ajamil dans 6e canto, dans 8e canto, il y a Vritasur avec Krishendra Mokshana, il y a tout un règne de différents manvantara dans 9e canto. Après Krishna Sokatari commence 9e canto, finit dans 10e. 11e canto, Bhagwan c'est Krishna l'icône de la Gita, 12e canto, il décrit tout un différent caractère, annihilation, etc. 3e canto, il explique Devahuti, Teachings of Lokotila, 4e canto, Tilda. Non, il n'est pas actuellement une collection de toutes les histoires. Non, il y a une étude systématique qui fait changement dans nos consciousness. Alors, qui ça but de comprendre à 10 canto là, je faire? Le but de comprendre à 10 canto, il est actuellement aide-nous pour connecter chaque verset avec Bhagavan Sri Krishna. Ça, là, qui me met sa photo là, ici. Si vous trouvez premier canto, Vyasadeva, il est assisé. Deuxième canto, toute création.
Vous trouvez tout ça dans différents cantos de Srimad Bhagavatam tout autour de Krishna. Il essaie de connecter lui comme une garlande autour de Krishna Bhagavan. C'est ça nos buts pour actuellement faire une étude systématique de Shabbat 10 sujets de Srimad Bhagavatam. C'est là que ça qui, dans mon institut ISKCON, qui essayait de ne pas actuellement aller là trop vite. Ça. Nous avons beaucoup le temps. Moi, tu peux penser actuellement, nous finissons le dixième chapitre de session-là. Moi, je pensais non beaucoup. Mais dans le bon compte des efforts pour ben dévot capable de comprendre. Parce que quand nous étudions Srimad Bhagavad Gita, nous connaissons cinq topics qui sont là-dedans. Jiva, Prakriti, Kala, Karma, Purusha. Donc, nous connaissons ici un Hadjis Kanto. Qui était Hadjis classification de Van Topic? So, il connectait ce verset-là avec chapitre avec Bhagavan, c'est Krishna. OK? Maintenant, nous continuons avec ce aims. Je vais trouver là, s'il vous plaît. OK, moi, bien, vous en bas. Oui, pas besoin de trouver. So, aims of the 10 topics. OK? Bon, Bhagavan, Krishna est présent dans Srimad Bhagavatam. Krishna, sa dhamma pagate, dharma gyana adi visela, kalo desha nasha eka puranarko adunodito. Krishna's comeback. Dans sa Srimad Bhagavatam, il réinvestit tout son shakti. Uddhava, quand les jeunes Bhagavan, c'est Krishna, lui demande, il dit, oh Krishna, quand on peut aller, comment nous pouvons faire? Comment manjimon pour gagner bhakti? So, Bhagavan Sri Krishna, il réfléchit un bon temps après, il répond au Dhava. Il dit, moi, infuse tout mon énergie, tout mon shakti dans le Srimad Bhagavatam, dans l'âge de Kali. Ça veut dire que Krishna est présent dans toute partie du Srimad Bhagavatam. Et quand nous commençons à comprendre ça, 6, 10 sujets, au fur et à mesure qu'on étudie le Srimad Bhagavatam. Maintenant, intéressant, mais qui fait au commencement même partie introduire. Qui fait au commencement d'un livre, même au partir à 10 matières là, qui nous peut étudier par rapport quand on rentre à l'université, ben, on a fini de dire, OK, donne-nous un timetable, OK, avant 10 sujets là, vous faites dans le premier semestre, ça a autant de sujets que vous faites dans le deuxième semestre, etc., etc. C'est parce que nous, on a confiance de Shukdev Goswami. Shukdev Goswami, après qu'il ait causé dans l'entier premier canto, il vient raconter Katha, discussion entre Brahma et Bhagavan Sri Vishnu, Brahma et Narad Muni, différents Katha. Devant différentes personnes, peut demander une question, Sudha Goswami, peut répondre à une question de Chandra Karishi. Maintenant, il trouve ça important qu'il nous comprend, qu'il met Srimad Bhagavatam, il classifié pendant 10 sujets là. Ce Krishna est présent dans toute partie de Srimad Bhagavatam, mais si nous commençons à comprendre sa 10 topics, subject matter. So, nous trouvons qu'il. Excuse-moi une minute. So, dans Canto N, allez-nous guetter. Dans Canto N, nous trouvons Krishna Bhagwan comme charitier pour Arjuna. Il a besoin de Bhishma Dev. Il aide Arjuna et Draupadi après bataille infinie quand Aswatthama lui fait sa méchanceté. Ça nous lit dans chapitre 7. Dans chapitre 8 aussi, nous lit avec Kunti Devi. Dans chapitre 9, nous lisons à propos de Bhishma Dev, non? Qui met Bhagavan Sri Krishna, les habillés, pardonne-moi. Bhagavan Sri Krishna lui présente lui comme Parthasarathi avec toute bonne personne, bonne Pandava, et lui alcoute Bhishma Dev, et lui donne lui sa darshan pour Bhishma Dev. Donc, lui asia comme Bhaktavatsala, the support. Of his devotees. Nous trouvons Bhagavan Sri Krishna dans le premier canto. Dans le premier canto, appelle Bhakta Vatsala. The creation, mais actuellement Bhagavan Sri Krishna, le Bhakta Vatsala. Support for his devotees. Il donne support à Bhima, Arjun, Draupadi dans sa cas de Aswatthama. Nous lisons ça, nous finissons plus que 10 ans, vous finissez le premier canto. Ils ont rappelé peut-être. Et nous trouvons que Bhagavan Sri Krishna lui fait extraordinaire sweetness avec Yudhishthir Maharaj. Quand Yudhishthir Maharaj est fini sur la guerre, il n'est pas intéressé avec Vin, empereur, les rois. C'est parce qu'il peut pleurer avec toutes les personnes qui meurent, toutes les sinful activities,
manak pécheresse qui pour actuellement fatigue li. Donc li asia et li encourage li dans beaucoup façon après là trouvé na raj suya yagya Bhagwan Sri Krishna là où trouvé li al dans Dwarka li donne sur l'amour sur l'amitié tout ce ban habitant de Dwarka. So Bhagwan Sri Krishna bien présent dans premier canto. Dans deuxième canto brièvement quand li donne darshan à Brahma très brièvement et nous vient trouver ça. Et dans le troisième canto, Uddhava, quand il sentit séparation avec Bhagavan Sri Krishna, et quand Vidhura lui demande une bonne question, il sentit qu'il perdit un temps dans une extase, il est transporté par Bhagavan Sri Krishna, sur une lila, sur un passe-temps. Et là, qu'il raconte un passe-temps de Bhagavan Sri Krishna dans Braj, dans Mathura, brièvement, il raconte. Ce nous gagne Bhagavan Sri Krishna, sur passe-temps. Et après, nous pas tout, Bhagavan Sri Krishna dit tout. Dans le reste de sa quatrième, quatrième canto, cinquième canto, sixième canto, non. Vous comprenez? Deuxième partie, à partir de chapitre 5, 6, dans troisième canto, Patan Krishna Bhagavan. Quatrième canto, non. On trouve Krishna Bhagavan, Sovan Pastan, Sovan Lila. Cinquième canto, Stanam, Planetary Systems, Dharma, Grihastha Dharma, Rishabdev, Maharaj Rahugana, etc. Azut Kose. Sixième canto, Ajamil Sokatha. Septième canto, Sat Science of God. Prahlad Maharaj explique sa service de dévotion, etc. Et puis, côté de Bhagavan, c'est Krishna directement. Ce nom d'air. Son neuvième canto, à la fin du neuvième canto, Bhagavan Sri Krishna, maintenant il commence, réentre dans la bonne discussion. And again, at the end of canto 9, il devant ça de la popélia. Donc, quand, et puis canto 10, oui, 90 chapitres qui décrivent Bhagavan Sri Krishna, c'est Van Lila. 90 chapters, le plus grand chapitre dans Shrimad Bhagavatam, le plus nombre de chapitres dans Shrimad Bhagavatam, c'est le 10e canto de Shrimad Bhagavatam. 90 chapters. Tout rempli avec Krishna Katha. Et 11e canto, Bhagavan Sri Krishna, comme un instructeur, un peu comment dire, il reprend le rôle de Gita, mais il fait Uddhava Gita. So, et la description de Bhagavan Sri Krishna peut instruire Uddhava. Un peu dans une philosophie plus élevée qui est dans la Bhagavad Gita. Et après, 12e canto, Nirodha, explique différents qui ont été annihilation. Bhagavan irait disparaître. Ça te fait comprendre? Moi, arrête ça, chère, là, mon rivinola. So, quand Bhagavan était là. So, laisse-moi réaller un petit point intéressant. C'est que sa dystopique de Shrimad Bhagavatam, quand on étudie beauté de Bhagavan Sri Vishnu, description comme un more coral mountain, beautiful shiny gold, quand nous d'antigène nous décrire, tout cela est relié avec Bhagavan Sri Krishna, antigène, oui. Mais nous pas trop katha de Bhagavan Sri Krishna continuellement. Mais ça va nous s'user de Shrimad Bhagavatam, je trouve un refuge avec Bhagavan Sri Krishna. C'est Ashrita. Bhagavan Sri Krishna dit Ashraya. So, quand nous vous trouvons sa extraordinaire séquence de Saban Suzela partout, dans Shrimad Bhagavatam, nous vous trouvons que Bhagavan Sri Krishna est présent. Et moi, je pense un mot. Moi, je pense un mot en Ucheda. Quand nous lire Mansandarbha, sur une verset, sur une section appelé Anucheda. Anucheda veut dire un difil qui est passé in woven together. Anucheda. So Paramatma Sandarbha qui m'a étudié à cela. Paramatma Sandarbha est sur une Anucheda. Différents Anucheda. Et bien Anucheda là, il weave everything together, il met toutes les choses ensemble. Pour montrer qu'il y a Bhagavan Sri Krishna là-dedans, en Sandarbha.
Mais dans ben, la Kosaki, ben, Goswami, ben, Acharya, je tiens ce sujet de Viladan. Après, je te montre que ma Bhagavan est présent. Dans Tattva Sandarbha. Krishna Bhagavan glorifié dans Bhagavatam. Paramatma Sandarbha. Tout ce qui est jiva, prakriti, karma, paramatma dans ce. Paramatma Sandarbha, l'actuellement manifestation de Bhagavan, c'est Krishna. Vous pouvez comprendre? Priti Sandarbha, Bhagavan, c'est Krishna. Krishna Sandarbha, naturellement, Bhagavan, c'est Krishna. Mais qui manière, dans Bhagavatam, il est comme ça, dans Bhagavatam, vous pouvez trouver que ça a neuf les autres topics. Là. Nous pouvons voir bien là. Ça. Je trouve les bien là. Oui, Prabhu. Oui, bon. OK. So aim of that topic. Ça aim de étudier sa dystopie correctement. C'est lui montrer nous qu'on trouve ça anucheda, ça thread. Pour qu'il nous capable comprendre sa dystopie et nous trouve Krishna dans tout quelque chose et nous écoute lui. C'est pas que nous allons directement nous trouver Krishna Bhagavan et danser avec Ban Gopi. Vous ne pouvez pas comprendre rien. So, quand nous étudions sa dystopique de Srimad Bhagavatam dans sa séquence que Shukadeva Goswami lui racontait parce qu'il est un expert devotee. Il est très daksha dans sa présentation. Meilleur qui finit là. Et rappelle aussi quand Shukadeva Goswami peut écouter Srimad Bhagavatam, Vyasadeva peut écouter et Narad Muni peut écouter. So, his expert presenter. So, comment il présente sa dystopie? So, quand nous étudions sa dystopie, nous trouvons Krishna ou bien nous écoutons l'Oli. Et tout qui soit relié à Krishna. C'est ça qui est le but d'étudier sa dystopie de Srimad Bhagavatam correctement. C'est ça le but. De étudier sa dystopie de Srimad Bhagavatam correctement. D'accord, ça, il prend beaucoup de temps, ça. Ou pas capable de faire un séminaire, là. Ok, juste pour dire mon fin, explique dystopie. Il demande vraiment comprendre en profondeur de sa connaissance-là à travers Kripa de Novan Guru et de Novan Seigneur Devotees. Ce n'est pas tellement facile. So, dans sa verset-là, c'est ce que mon lien est allé là. Décrire sa dystopie. Alors, Atra veut dire dans sa Srimad Bhagavatam. Atra. Bejya in the Srimad Bhagavatam, the two Vesera devans the two, okay? Sarga, statement of creation of the universe, Visargacha, Visarga, Mubrevinola, Stanam, Bupantumolito, Stanam, Posanam, Utayaha, Manvantara, Ishanukatha, Nirodha, Muktir Ashraya. Tu m'en devo, s'il vous plaît, apprendre l'hypopère. Shishuka uvacha atrasargo visargascha sthanam poshanam uttaya manvantare shunakatha nirodha muktir ashraya. Shishukadeva Goswami said in the Srimad Bhagavatam the 10 divisions of statements regarding the following, the creation of the universe, sub-creation, planetary system, protection by the Lord, the creative impetus, the change of manus, the science of God, returning home back to Godhead, liberation and the sanamboma. C'est ça qui nous veut étudier. Donc, voilà le verset là. Alors, vous trouvez qui dans Sarga là, en jaune, vous mettez là en jaune, Visarga là, en peach, là, Visarga, et puis Sthanam, Lila. Et puis Poshanam. Lila. Utaya. En bleu, couleur Krishna. Manvantara. Lila. Manvantara, lila, en rouge. Un peu foncé. Rouge brillant. Manvantara. Ishanukatha. Là. Mauve. Ishanukatha, oh, couleur un peu.
science of God, science of God, narrations about the Lord and his devotees, Anukatha, Isha, Isha Katha, Vija Katha de Bhagwan, Anukatha, Vija Anu Vija followers, Bhagwan Vija Anuradha, follower of Radha, Svibodhane Aradha, Sebandevu, Anukatha, so Nuvin Lola, Nirodha, le ultime annihilation de nos subtiles, grosses et subtiles body. Prabhupada appelle ça d'autre façon. Il dit ça, back to Godhead. Veux dire, nous vivons là encore un petit moment. Et neuvième, hein, neuvième, Muktir, libération, et Ashraya, dystopique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dystopique. The Samam Bonam. OK? The ultimate. Okay. Maintenant, Sarga Vidya. Sarga Vidya, primary creation of elements by Vishnu. Vishnu Bhagwan qui m'a écrit un élément. Qui est bizarre pour mettre. Nous ban l'écho, compose nous l'écho. Fin l'écho pour nous. Fin planète pour nous. Fin un environnement. Créer l'écho. So, bizarre ban primary creation of elements. Ça l'y fait pour Mahavishnu. So, ça qui appelle Sarga. So, Visarga, l'y secondary creation by Brahma. Alors, by combination of modes of material nature, et tout un élément combiné, pour créer différents l'écho dans différents gunas. Dans l'écho dans Sattogun, dans l'écho dans Rajogun, dans l'écho dans Tamogun, dans le plan dans Rajogun, Tamogun, dans les animaux dans Tamogun, et dans les animaux dans Rajogun. Et dans les devotas, dans l'activité, parfois dans Rajogun, fruitive activities, parfois dans Sattogun. Donc, tout ça dans différentes créations par Brahma et dans coup de main avec ces trois modes de la nature matérielle qui combinent tout un élément de Sarga. OK. So, qu'est-ce que Sthanam? Sthanam est très intéressant. Sthanam, ça nous fait, nous trouvons que Sharga et Visharga sont expliqués dans le premier et deuxième canto. So, Sukadeva Goswami Nathan, qui sa explication de Sarga et Visharga finit par place, nous finirons dans l'éducation de Srimad Bhagavatam. Et après, là, Sukadeva Goswami, dans le dixième canto, le dixième chapitre, deuxième canto, qui était le dernier chapitre dans le deuxième canto, actuellement, Sukadeva Goswami l'a introduit à ça. So, Sthanam, planetary systems and journeys of Jiva in them. Mais actuellement, nous voulons que ce soit une définition là. Nous voulons que ce soit une définition là. Ça, c'est qui aussi, Banacharya a donné, nous voulons que Prabhupada aussi, comment l'explique ça. So, planetary systems and journey of Jivas in them in different bodies. OK. So, Bhagwan lui crée un système planétaire pour différents divas qui atteignent différents niveaux d'évolution spirituelle. Il crée différentes places, différentes positions pour eux progresser dans le monde matériel pour arriver jusqu'à le monde spirituel. Pas progresser dans le monde matériel matériellement, mais désengage-nous depuis le monde matériel pour arriver dans le monde spirituel. Il crée Sthanam, Planetary Systems and Journey of Jivas. Dans différents planètes du système. Et puis, Poshanam, Bhagwan les protège nous. Hein? Nourishment of devotees. Qui met Bhagwan les fait sa Poshan? You know, he's our protector. Et Uttaya, qui fait une personne qui agit d'une façon ou d'une autre façon? Nous prévenons l'entièrement. So, vous trouvez qui à la fois, vous continuez à répéter dans différents formats pour ne pas oublier.
So in Asarga, you see? Okay. In Asarga, Visarga, Sthanam, Posanam, Uttaya, Manvantara, Ishanukatha, Nirodha, Mukti, Ashraya. Je vais répéter avec moi sans qu'ils aient mes autres vidéos micro. Sarga, Visarga, Sthanam, Poshanam, Uthaya, Manvantara, Ishanukatha, Nirodha, Mukti, Ashraya. So voilà ça dystopique qui nous guette. Et vous trouvez maintenant. Maintenant, nous vous trouvons encore une fois dans sa format. So, Trou Bhagwan, c'est Krishna, il est au milieu, il est Ashraya. Mais il est tout seul qui est indépendant de la justice. He is an independent Lord. He is an Ashraya. Tout ça, les autres neuf là, sont actuellement Ashrita. Ils prennent Ashraya de Bhagwan. So, qui manière ça va dis sarga, visarga, sthana, poshana, uttaya, manvantara, ishanukatha, nirodha, mukti. So, tout qui m'a dit prendre ashraya avec Bhagavan Krishna. Qui m'a dit tenir une relation avec lui. C'est ça le sujet de Srimad Bhagavatam. Et là, finalement, quand nous comprenons qui m'a dit ça, Bhagavan lui met tout ça qui est là en place pour nous arriver, car prend association et avec son lipier lotus. Vine dans son ashraya. C'est ça le but de Srimad Bhagavatam. Ce qu'on nous trouve, vous trouvez là, dans sa premier pétale là. Sharga, creation of the universe. Puis Sharga, sub-creation. Maintenant, sthana, maintaining the planetary system. Hein? Poshana, c'est un exemple de Poshana. Bhagwan li protège ce dévot, 8e canto nous lia, Kajendra Mokshana. Uti, Uthaya, nous avons différents impetus, nous avons différentes tendances pour mon activité. Parfois bon, parfois mauvais. Qui fait li comme ça? Vous pouvez venir là. Manvantara, ban khay, Prabhupada dit, change of manus. Ban manus, c'est ban directors of proper behavior. Je suis un directeur of religious principles. Et chaque fois, il y a un manu qui change parce qu'il est nécessaire pour mettre toutes les choses en ordre. So, change of manu, bien manmantaran katha. Ishanu katha, Prabhupada li jaha science of God. Septième canto, il y a science of God, non? Mais Ishanu katha, katha de Vandevo, glorification de Prahlad Maharaj. Il n'y a plus beaucoup de chapitres teachings of Prahlad Maharaj qui n'a pas de qui soit dans Srimad Bhagavatam. So the science of God, veja Ishanu katha. Et Nirodha, veja annihilation. Il y a différentes qualités d'annihilation. Différentes qualités d'annihilation. Nirodha, là. Nirodha, ici. Ultimate annihilation of subtle and gross body. Prabhupada dit mettre comme ça. Parce qu'il fait, il dit back to Godhead. Parce que ultimement, quand nous n'est plié dans subtle and gross body dans le monde matériel là, nous retournons back to Godhead dans nos spiritual sphères, dans nos spiritual service, dans nos positions spirituelles. So Nirodha aussi veut dire, nous est pour nous vivons un authentique pralaya. Quand on est plié, il n'y a aucun karma qui restait qui pouvait avoir un subtle body ou un gross body. Pour ce final annihilation, last death, authentique pralaya, dernier finition pour vous. So, il est capable d'être personnel, mais pour vous, il y a un pralaya, il y a une destruction de vous, les corps, de vous, surtout les gross body, vous pouvez en aller rester ou retourner dans le grand sutham. Mais ça, le monde-là dit, allez, un apralai circulaire. Un apralai circulaire. Un apralai tous les jours quand Brahmaji a dormi. Un apralai quand Brahmaji sur la vie finit.
Et en pralaï, quand un manvantara l'y changeait, 14 fois, dans une journée de Brahma, un petit pralaï ici, un petit pralaï là-bas, pour redonner une opportunité dans différents sthanam, dans différentes positions, où un jiva capable de progresser dans la vie spirituelle. Dans ce système-là, c'est pour actuellement amener nous pour Krishna Ashraya. Ça, pour amener nous là, au milieu. Et Mukti. Actuellement, Brahmacharya dit Mukti n'est pas tellement intéressant parce que nous, on vit avec le service de dévotion. Qui peut faire Mukti? Mais qui fait Brahmacharya mettre sa point là-dedans, c'est qu'actuellement, si un Mahapuran n'est pas cause de Mukti, il n'est pas venu un Mahapuran. Ce que le Prabhupada explique comme ça. Il y a un Mahapuran, Jiva Goswami, c'est Mukti pour la libération. Ce qui cause de Mukti. So, vous trouvez ici un petit peu d'un petit exercice. Maintenant, pas pense à l'autre chose, notre deuxième partie de sa discussion là nous va mener. C'est pas qui maintenant la question se pose. Qui sa connaissance védique qui nous peut trouver qui est nécessaire pour nous capables d'être avec ça le monde matériel. Nous trouvons qui, through the 10 topics, through the 10 topics, the Srimad Bhagavatam answers all possible questions. Qui faire? Ça expliqué dans troisième verset de Srimad Bhagavatam, dans le premier canto. Parce que Bhagavatam is a ripened fruit of the tree of Vedic knowledge. Et que ça, chapitre que nous pouvons étudier, il dit Bhagavatam is an answer to all questions. So, à travers ces 10 topics de Srimad Bhagavatam, ils répondent tout à une question qui est nécessaire. Pendant non rien qui n'est pas capable de gagner dans sa Srimad Bhagavatam. Et dans verset 3, dans le premier canto, hein, connais le premier canto, premier verset, Chanmadiyasayataha. Dans le deuxième verset, expliquer, you know, proper religion. Dharma prochita ketavo, abandon all varieties of religion, par exemple Krishna le dit dans le Bhagavad Gita. Et le troisième verset, il décrit qui était sa connaissance de Srimad Bhagavatam. Il décrit Nigama kalpataror galitam phalam mukhat, amrita pibata rasam, alayam muhur hor sika bhuvi bhavka. Kalpataror, the desire tree or the fruit tree. Of Vedic knowledge, the tree of Vedic knowledge. Et il décrit qui tout quelque chose qui nous désirait pour connaître, lit dans Srimad Bhagavatam. So, dans sa pied, vous trouvez, qui fait nous mettre comme ça, c'est parce que dans sa pied, vous trouvez, qui se Veda, la Veda, tout ça va quelque chose qui est là-dedans, il saute depuis sa tree of Vedic knowledge qui était. Mais le fruit mûr de ça, Nigama kalpataror galitam phalam, ça moulala. On va mettre le verset là long, mais si vous êtes capable de vraiment rappeler ça. Nigama kalpataror galitam phalam, the ripened fruit of the tree of Vedic knowledge. Parce que quand on plante un pied, pour gagner un joli mangue, vous pouvez intéresser goutte sur racine, vous pouvez intéresser goutte sur. Ce tronc ou pas intéressé goutte sur pied, sur branche, ni sur feuille, ni sur fleur, ou intéressé goutte sur mangue. Et là aussi, ou intéressé goutte sur mangue qui est bien mûr, bien parfaitement, sans se couler avec l'effet de soleil. So, galitam phalam, galal phal, et n'a pas galva qui galé galé ou galva. Galitam phalam. So, nous intéresser seulement comme ça, et c'est Srimad Bhagavatam lui donne ça. So, pendant non, rien plus rester pour nous comprendre. So, à travers sa 10 topics de Srimad Bhagavatam, il répond tout à une possible question. Nigama kalpataror galitam phalam. So, il est à pied de Vedic knowledge. Tout ce que nous désirons connaître, il est dans Srimad Bhagavatam. Pendant aucune nécessité pour aucun des autres livres. Vous connaissez Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur qui lit ça? Il
C'est-à-dire, si tout le monde livre dans tout l'univers, il va être détruit. There's no loss. Si seulement si mon Bhagavatam lui restait. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Vidya. So, nous comprenons que Madhaji Devyani Biswini, tu as envie de demander une question ou la main à vous? Non? Ok. Hare Krishna. So, so Srimad Bhagavatam lui décrit ça. Tree of Vedic Knowledge. So, nous pouvons aller dans la description et nous pouvons essayer d'expliquer un petit peu. Ça sujet là. OK? So, je trouve là? OK. Oui? Yes, Prabhu. Okay. All right. So, nous pouvons étudier sa premier verset là. OK? Sa premier verset à ta... Hein? Si vous avez envie de demander une question, je suis capable rapidement, il n'y a pas de problème. Et la question scalaire, une question pertinente dans le sujet, s'il vous plaît. No comments, no questions, Prabhuji, carry on. The good flow. Ok, so nous lisons verset 2. Nous lisons verset 2. Dans verset 2, Lidia, dasamasya vishuddhyartham navanam ihalakshanam varnayanti mahatmana shrutena arthena cha anjasa. So, to isolate the transcendence of samambonam, ashraya, samambonam se ashraya, Krishna. The symptoms of the rest are described sometimes by Vedic inference, sometimes by direct explanation, and sometimes by summary explanations given by the great sages. So, c'est difficile pour comprendre ça verset. Qui pour isoler sa explication de le but, le summum bonum, le tout de tout. Ça, the rest are described by Vedic inference. So Bhagavan Sri Krishna, Ashraya, Samam Bodham, li séparé lui, parce qu'il est le refuge de tout quelque chose. Nous pouvons faire étudier Bhagavatam pour nous finalement dissocier avec tout ce qui existait dans le monde pour prendre Ashraya avec Bhagavan Sri Krishna. Mais pour isoler son explication de sa transcendantale personnalité, Samam Bodham, Ashraya, Bhagavan Sri Krishna, qui nous beloved, à qui nous faisons développer notre attachement, le reste devant ce quelque chose qui expliquait, l'expliquait dans différentes façons. So, Prabhupada l'a dit, elle expliquait par direct Vedic reference, parfois par direct explanation, et une différence entre Vedic inference direct et direct explanation, and sometimes by summary explanations given by the sages. So, qui ça veut dire ça? Srutena, Arthena, Anjasa, ça dernier la ligne. Comment Srimad Bhagavatam les services à ce système-là, et que ça, Sukadeva Goswami peut dire. Donc, deuxième, il dit, pour ça, Iha Lakshana, pour actuellement expliquer ça, symptôme de sa neuf topique-là, mot pour servir, Shrutena, Arthena et Kanjasa. C'est ça qu'il peut dire. So, Shrutena, veut dire directement, pas dans la prière, directement pas dans le verset, il explique. Ça va neuf sujets qui connectent avec Bhagavan. Et qui manie ça? Par exemple, si vous lisez Prayers of Queen Kunti, si vous lisez Prayers of Gajendra Moksha, Gajendra, vous pouvez trouver qu'il dit actuellement, il explique ça neuf sujets. Vous trouvez qu'actuellement, il explique son FCC directement par ce statement. Quand on lit un verset, comment Kunti Devi lui dit Govinda is my shelter, Govinda is Devaki Nandanaya Chananda Gopa Kumaraya,
Govindaya Namo Namah. Directement glorifier Bhagavan Sri Krishna et glorifier Bhagavan Sri Krishna comme Ashraya de 109 sujets, directement devant une prière, parfois directement devant un verset de Bhagavatam. So by direct inference, directement, Lipa explique sa Ashraya et sa connexion avec 109 sujets. Et maintenant, je demande, mais fais pas de cas, explique 109 sujets là avant même. Là, vous pouvez dire, moi, si vous demandez une question comme ça, vous pouvez dire, monsieur Sukhdev Goswami, pas une conférence, parce qu'il a un conseil en nous. Pas vrai? Si nous demandez une question comme ça. Hein? Sukhdev Goswami, il décide pour expliquer Krishna comme ça. C'est parce qu'il connaît, qui pour nous arrive à comprendre Bhagavan Sri Krishna. Parce que ben les autres questions, je dis pour rester. Là, c'est ça qu'il dit. Srimad Bhagavatam Puranamalam Vaishnava Priyam. Qui fait le Vaishnava Priyam? Nous Vaishnava, nous Vaishnavisam dans nous. Il mesurait par qui quantité nous comptons Srimad Bhagavatam. How good Vaishnava we are. Et vous trouvez que dans nos ISKCON mouvement maintenant, il y a une petite démarche, je ne peux pas dire une révolution à ce stade-là. Pas encore arrive ça, révolution. Qui expliquait pour Srila Prabhupada, cultural revolution, basé sur le Srimad Bhagavatam, même dans nos mouvements, il n'est pas encore arrivé. Parce que le Vala Haridev Prabhu, tu peux dire moi-même, Tirtha Madhava Maharaj, comme Charles Wendy, et puis j'ai dit, nous inscrivons un systématique study Bhagavatam, je dis moi, ouais, bien, nous inscrivons. Alors, j'ai dit, je connais quand dans GBC meeting, ou quand 2005, c'est pas 2000, je me rappelle, tu fais un survey, seulement 1% de vos liens à Bhagavatam. Inclure parmi les GBC, Guru Sanyasi. 5%, ce n'est pas 1%, 5%. Après tout, dernièrement, Haridev Prabhu, je dis moi-même, ça fait. Je ne connais pas dans Bombay, je fais un survey. Encore, ça a augmenté un petit pourcentage. Je dis, on ne peut pas lire. So, si nous-mêmes, nous ne pas lire dans nos propres mouvements, comment nous sommes capables d'affecter la vie devant les autres du pour lire Srimad Bhagavatam, pour arriver à comprendre Krishna correctement. Parce que Janma Karma Chume Diviam Mevangi Veti Taktotya. Dr. Adihang Punarjanmane Iti Mamiti Sorjana Krishna Lijaya dans chapitre 4, verset 9 dans Bhagavad Gita. Que we have to understand Krishna correctly, properly, how he is. Ben, quand nous commençons, et dans la confusion, le nous, ok, est-ce qu'il y a une mind, est-ce qu'il y a un écho, est-ce qu'il y a une intelligence, nous pas même que nous. Est-ce qu'il y a une différence entre Bhagavan Sri Vishnu? Bhagavan Sri Vishnu peut-être le plus grand parce qu'il y crée, Krishna Bhagavan il exoué. Tout ça, une confusion là qui va venir dans la tête. Là où lire que vous écoutez creation of elements, vous trouvez là qui met Bhagwan Vishnu sa position vis-à-vis Krishna Bhagwan était. Tu as peine à confusion qui restait. Parfois nous disons si peine à Shivji, peine à destruction. Là où réaliser que Shivji les manifestait depuis colère de Anantashesh, depuis là où trouvez que Anantashesh lie un angsa de Bhagwan. Balaram ji li songs de Bhagavan Sri Krishna. Là, on commence à comprendre que Krishna est le summum bonum. So, dans sa verset, il peut expliquer qui shutena arthena cha andasa. But by direct explanation, by direct meaning, ek artha, kwajar. Quand nous lisons Ramayana, nous faisons Arthat. Si Ramayana n'a pas lu, nous faisons Arthat. Direct Vedic knowledge, carré, fond. Et aussi Puranic narrations, et katha, et narratives. Vous pouvez comprendre? Vous trouvez que quand expliquer ben, le principe de service de dévotion, Sukhdev Goswami, Sukhdev Goswami, fond, je dis qui est le service de dévotion, ça lit, shruti, direct knowledge. Et là, quand vous trouvez qu'il manière. Maharaj Rishabdev lui donne instruction sur son garçon.
direct, Shruti. Après, quand il fait ce propre exemple, Liam dit abandonne tout. Là, il qui m'a libéré. Là, où écoute Katha de Rishabdev comme un avatar, mais en même temps, il agit comme une personne qui peut chercher la vérité spirituelle. Il anukatha. The pastimes of the devotees, Ishanukatha. C'est-à-dire quand vous trouvez, mais quand vous décrivez ça, là, il dit Arthena. So, Shrutena, Arthena. C'est-à-dire Anjasa, Anjasa, il dit summary explanation, ou bien parfois, les detailed explanation, pour nous comprendre facilement. Anjasa. So, il y a une explication, par exemple, dans le cinquième canto, Bhagavatam, ou lire planetary systems. It's explained in detail, so it's anjasa. Quand nous lisons dans le deuxième canto, le canto qui nous peut compléter dans trois semaines, le plus compliqué canto, le plus court canto, mais hein, comment Guru Charan y avait plein, il dit, ça n'a pas difficile même. So, the summary explanation, parce que vous trouvez qu'encore, dans le troisième canto, il y a une explication encore, là. Sarga Visharga. So, li anjasa. So, shrutena, arthena, cha anjasa. So, li servi sa système là, li Sukadeva Goswami, li jia. Mo pou servi, mo pou explique sa dix topic là. Li pas sa kfal diyo ki maintenant mo pou explique sa dix topic. Quand nous fini compren sa man dix topic là, là, mais nous pou faire sa exercice là plus tard. Ok? Dans dernière session, il y a pas quatre sessions, pas fin non. Là, nous pou diyo van devo, be, quand pe raconte ça. Qui était ça? Hein? Disons, nous pouvons dire, OK, nous racontons Lila. Hein? Quand nous pouvons raconter Lila, qui, disons, Adjamil, hein? Adjamil, quand il pense prendre Bhagavan ce nom, je vous donne l'exemple. OK, vous êtes capable de répondre à ça, c'est là. Adjamil, il prend Bhagavan ce nom, et il va écouter, Vaikunthavasi, comment on appelle ça? Comment appelle ça, Manpé? Vishnudut. Vishnudut. Vishnudut, Vini. Alors, qui l'est représenté là? Arthena. Oh, non, le sujet, non, on va le dire. Katha. Oui, Katha. Ok, on va dire Arthena, parce que l'explanation de Katha, something is happening. Mais dans sujet, pas méthode, Arthena, Shrutena, Anjasa, le méthode. Mais qui sujet là? Les protection, Poshana? Non, Poshana. Poshana, les Poshana, Bhagavan, peut montrer qu'il m'a dit nourrir ce dévot, qu'il m'a dit faire ce nourishment pour ce dévot. Vous pouvez comprendre? Hein? Et quand il vient, il apparaît depuis dans la colonne. Et il vient tout Hiranyakashipu. En même temps, la principale raison, il vient, c'est pour qui faire? Protection. Protection, ok, déjà. Pochana. Pochana. Je comprends. C'est ce que moi, je comprends. Il n'est pas tellement dans l'air, ça. Prabhuji, ça, mon pochana, là, il est synonyme. Il est en même temps protection and maintenance. Il est synonyme. Maintenance, Sthanam, maintenant, plutôt sthanam, les distincts, les pochanam, pochanam, les maintain of spiritual life, sthanam, maintain of all living entities. So, ou capable de dire nourishment, pareil comme, oui, ou capable de dire, vous avez raison d'une façon. Mais, les plus liés à service de dévotion, sthanam général, anyway, pas besoin d'un petit détail, pas qu'à ça, vous avez raison si vous dire, li actuellement sthanam, poshanam li aussi maintenance. Et actuellement maintenance. Li protection and maintenance of the Lord. Li tout seul qui a pas fait ça. So, parfait non, Prabhuji. Yeah. Nous ne pouvons pas rentrer trop technique aussi après parce que rendez-vous, vous perdez la télé. And then ça fait un bin de mon computer. It's always like this. Nonsense stuff. Chaque fois qu'on fait une classe, il y a un virus rentré. Pas qu'il y a une affaire, souris, excuse-moi.
et il commence à montrer moi tout ce qui a été programmé dans mon computer là. Et mon papa quand même sorti là-dedans. Back. Non, il est vraiment un désordre ça. I can't even, just give me 1 minute. This material world is... Bah. OK, so so nous rentrons nous l'écran là, nous guettons écoute, hein. So so nous j'ai quoi ça technique qui sur de Goswami dit servi. Prabhupada pas ne donne beaucoup peuple là, mon copain n'a pas peuple là. Mais Prabhupada il explique ça en une confusion parfois. So explanation, OK, nous revenons là. Hein? Nous revenons là ça. OK, voilà. So, shutena artena anjasa. So, shutena veut dire pas un meaning direct, statement direct, ban la prière, ban stotram, ban verset. Artena, pas un narratif, pas un katha, comme un puran, qui illustre ban principe de shuti. Shuti veut dire directement ban. Par exemple, Bhagavad Gita, il donne nous shuti. Lui donne directement ma instruction. Qui besoin faire? Comment besoin comporte nous? Qui besoin écouter? Qui besoin faire? Comment besoin agir? Etc. etc. Les shuti. Donc, Bhagavad Gita ou pas tant de tata. Pour moi, c'est que je n'ai pas gagné le temps à 6 heures à compte. Mais tu as fait un cas de chile, là, tu as gagné ça. Il n'y a pas gagné le temps. Il y a la guerre pour faire ça. Il n'y a pas raconte ça. Mais dans Mahabharata, il y a beaucoup de narratives. Sur Arthena. So the Bhagavata Mena. So by summary or clear explanation, so detailed presentation, on arrive à comprendre Krishna Bhagavan. So Sukadeva Goswami il service à trois techniques à travers le Bhagavatam. Maintenant, un autre aspect de ça, c'est qu'il nous dit sujet de Shrimad Bhagavatam. OK? Ça dit sujet de Shrimad Bhagavatam. Dans sa verset là ici, il dit dans dans chapitre qui nous finit, chapitre 9, verset 44. Il expliquait que tasma idam bhagavatam purana dashalakshanam proktam bhagavata praha prita putre buddhakrit. Il dit sa bhagavatam, sa science de katha de Bhagavan Sri Krishna. Il y a un Purana, il y a un Vedic supplement. Il y a 10 caractéristiques, 10 lakshanam. On va prendre tout la ligne, ban mola là-dedans. 10 lakshanam, il y a 10 caractéristiques. So, so translation dit comme ça. Thereupon, the supplementary Vedic literature, the Purana, the Mahabhagavata Purana, the Shrimad Bhagavatam, which was described by the personality of Godhead. Okay? Qui est décrit par sa suprême personnalité de Dieu. Bhagavan, comment fin décrire Shrimad Bhagavatam? Ça n'a qu'à répondre à sa question-là. Nous t'y faisons ça la semaine dernière. Bhagavan, comment tu décrire Shrimad Bhagavatam? Chatushloki. So, Bhagavan, il décrit Shrimad Bhagavatam comme Chatushloki. Right? Chapitre 9, verset 33, 34, 35, 36, commence par Aham Evasam Evagre, Nanyat Yat Sadasat Param. Après, il finit par Etavad Evajigyasam. 4 versets.
So Bhagwan, samem so darshan ki lindonu da dejam kanto ki Bhagwan li rakon Srimad Bhagavatam a Brahmaji dans quatre versets. Et samem sa dans sa quatre versets là parce qu'il dans sa s'il vous plaît dans sa lijia the supplementary Vedic literature Srimad Bhagavatam which was described by the personality of Godhead and which contains 10 characteristics 10 subject was told with satisfaction by the father Brahma to his son. So Lijya Puranam Dashalakshanam Proktam Bhagavata Praha Pritha Putraya Putrakrit Pritha Putraya Papandan Gosson. Ça, Srimad Bhagavatam, qu'il finit de recevoir avec Bhagavan. Mais Brahmaji l'a dit, ça, l'eau. So, 10 topics of Srimad Bhagavatam, là, ça, Dashalakshanam, was expanded from the 4 verses of Chatushloki. Vous avez compris, moi? So, dans sa 4 verses, là, c'est ça qui me dit, nous ne pouvons pas rentrer en détail de sa Chatushloki pour m'aider dans Kaulali en exemple. So, nous avons Leslie, pour venir nous comprendre. Qui Bhagwan in Gai Srimad Bhagavatam, Bhagwan in Dhan Srimad Bhagavatam Brahmaji avec 4 versets. Chatushloki. Et ça, Bhakti Churumaraj, explique-moi. Explique-moi. Après, là, je comprends si comme il en est après. So, Lija, ça même, ça 4 versets Chatushloki dans chapitre 9, semaine dernière, nous complétons versets 32, 33, 34, 35, 36. Bhagwan Lija qui ça. Sukadev Goswami peut expliquer ça même, ça a 10 versets là, il développait depuis ça. Et donc, he was told with satisfaction by the father Lord Brahma to his son Narada. Nous pouvons encore introduire ça, 10 topics. So, ok, nous venons un petit peu là. So, quand vous trouvez qu'il y a 10 topics de Srimad Bhagavatam, il y en a beaucoup qui sont tout autour de lui. Maintenant, dans il y a 6 ou 7 versets qui suivent dans que nous peut lire là. OK, qui maintenant il commence d'écrire ça va verset là depuis à la suivre il commence d'écrire ça va sujet là qui était ça. OK, so nous guettons depuis verset 3. OK. Verset 3. Nous capables de lire verset 3. Je ne vais pas mettre ici dans sa PowerPoint. Parce que je ne vais pas tellement gagner le temps. Si moi, je préfère gagner le temps pour là. Donc, je tiens des cours aujourd'hui dans la journée. C'est un peu fatigué. Je ne vais pas mettre tout sur le verset. Donc, nous capables de lire verset 3, s'il vous plaît. C'est-à-dire, Bhutam Matrendriya Diyam जन्म सर्ग उदारित ब्रह्मणो गुण वैसम विशारग पौरुष स्मृति सो इसीलिए क्रिएशन द एलिमेंटरी क्रिएशन ऑफ 16 आइटम्स ऑफ मैटर सा 16 एलिमेंट ऑफ क्रिएशन 5 एलिमेंट भूमि अपो नालो वायु खाम वाटर फायर एयर ईथर वाटर फायर अर्थ Earth, water, fire, air, ether. 5. Après, bantan matra, sound, form, taste, smell, touch. Après, ban 5, gyanendriya, l'hygiène, etc. Quand on crée tout ça, on a fait la pour Bhagwan, Mahavishnu. Et puis ça, sarga, ça qui veut dire sarga. Et après, quand le mode de la nature matérielle commence à mélanger, avec l'effet laitant, avec l'influence de Brahmaji, so creative energy, li, rappelle Visharga, et commence à définir. À ce moment-là, commence à définir ça. So nous définir ça, premier kit sur ça. Defining the 10 topics. In the material realm, there are 2 aspects of creation. Sarga, primary creation of matter and elements, एक विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन बाय लॉर्ड ब्रह्मा मैं नुफिन अफान
Ikimania Brahmaji Lipan independent creator. Brahmaji Priya Bhagwan, Vijalipalismavin Ahankari, Palisma feel Kipaskimo prevent Hawaii extraordinaire pour créer tout ça système planétaire, créer tout ban l'écho. Qui me commence à penser, moi, mon suprême créateur, il prie, Bhagwan, pardonne-moi ça, donne-moi la bénédiction. Brahmaji demande Bhagwan Sri Vishnu comme ça, et nous discutons ça mardi, vendredi dernier. Et Bhagwan, mardi, et Bhagwan Sri Vishnu, il descend, il dit, Brahmaji, I'm so happy with you. Je suis tellement happy avec l'austérité, dit Brahmaji. Et il shake hands avec Brahmaji. Et il dit tout qui vous besoin pour création, everything is provided. Après, il dit, vous rappelez, il dit, ça son, tapa. Il dit, c'est moi qui inspire pour faire ça tapasya. Et il dit, moi qui donne ça l'intelligence pour faire ça tapasya. Mais où on entreprend sa penance, qui est vraiment chère à moi, avec beaucoup de humilité, beaucoup de sagesse, et moi satisfait avec vous, vous capable de faire vous seva pour construire. So, vous trouvez que Visarga dépend de Bhagwan. Maintenant qu'il met Sarga, il dépend de Bhagwan. Parce que Sana qui fait Sarga. Mahavishnu. Le Mahavishnu, sa forme de Mahavishnu, le Paramatma dans le monde matériel, il est actuellement venu de Bhagwan Sri Krishna. Hein? So localized representation. Et ça, dans le deuxième chapitre, dans le premier canto, Bhagavatam expliqué. Qui sa vérité absolue est manifestée en trois façons. Verset 11, Vadanti tat, tatta vidas, tatta madhyana madhvayam, Rameti paramatmeti bhagwaniti sabdhyate. The seers of truth, un grand guru, un acharya qui connaît la vérité, qui trouve la vérité, ils ont confirmé que la vérité absolue est venue en trois formes. Qui forme? Il est venu comme Bhagwan. Vadanti tat tatta vidas tattam adhyanam advayam brahmeti brahman paramatmeti paramatma bhagavan iti sabdyate. It is understood in free. So sa manifestation de paramatma. Nous bien comprendre, ça lie un petit peu plus compliqué, mais nous bien comprendre que Bhagavan Sri Vishnu, qui est Mahavishnu, qui est Garbhodakshaya Vishnu, les représentants. Et Shiro Dakshaya Vishnu, c'est le représentant de Bhagavan Sri Krishna dans le monde matériel là, comme Paramatma, comme Antaryami, comme Vishwatma, comme Jagatatma. Je rentre dans différents éléments, Bhagavan sur l'écho dans sa photo bleue que vous pouvez trouver. Hein, depuis dans son écho, tout ça va depuis dans le pot, sur hair, rose, hein, dans son écho, il y a un pot, en coupe. Brahmaji, il dit, depuis ça, vient tout ça, bande différent, l'univers là. So, Ksana qui est responsable, ça, c'est Bhagavan, c'est Krishna directement qui est Ashraya. So, Mahavishnu, il n'est pas capable de faire, il y a un angle de Bhagavan. Et c'est la création de Halloween matériel, il fait pour Bhagavan. Vishnu, à travers Brahmaji, Brahmaji, il dépend de Bhagavan Vishnu, Bhagavan Vishnu dépend de Bhagavan, c'est Krishna. So, comment, quand on commence à comprendre ça, vous trouvez qu'Ena, sa independent person, complètement indépendant, c'est Bhagavan, c'est Krishna, he's the Ashraya, tout qui se dépend de lui. So, quand on commence à décrire ça, ce topic-là, so, Sarga, the elemental creation, is defined as follows. Et ça peut expliquer dans ça. Mon fait qu'il y a verset 3, là. Mais nous casser bout par bout, maintenant. Alors, et bien, devo qu'il y a Bhagavatam, nous devons apprendre ça qui Sarga veut dire elemental creation. Sarga is defined as follows. Bhuta matendriya dhyam janma sarga udharita. The elemental creation of 16 principles of matter. Ce qui nous lia, 5 gross elements, panch mahabhuta, 5 sense object and matra, 5 knowledge acquiring senses, gyanindriya and the mind. Il fait 16, 3 fois 5, 15 plus mind, 16. Ça s'appelle Sarga. Ça s'appelle Sarga. Mais, ça va être quelque chose là, comment les générer?
Hein, généré à travers Jiva, Kala, Mahatattva et Ahankar. So, il y en a quatre éléments que Bhagwan a amenés. Et depuis ça, Savan Kisodali a développé ça aussi là-dedans, font partie de Sarga. So, qui met Savan Kisodali créé? Il crée depuis Ahankar, Mahatattva, Kala et Swabhava, devant Jiva. Qui est injecté. C'est ça, Bhagavan Vishnu qui fait ça. C'est ça, il appelle Sarga. Vous trouvez qu'il fait Sukhdev Goswami maintenant qui donne sa explication là? Parce qu'il est malin, Sukhdev Goswami. Il est vraiment, parce qu'il est fini, explique-nous ça, Antigina. C'est là, nous écoutons ça, nous make sense. Il n'y a pas make sense là, à Yodhya Prabhu? Parce qu'il nous apprend Antigina, non, il make sense. Il finit de donner un avant-goût. Exactement. So, Sukhdev Goswami, expert speaker. He's a great speaker. He's an expert sadhu sant mahatma. He's the greatest of all. So, les mais quand vous vraiment écoute-lui. Là, où j'ai comme ça, mon fini arrive là, Astel, ce que vous avez mis, détaille tout clairement, les plus jolis, Astel, les plus jolis. Pas un feeling là qui est plus joli, que ça n'a pas un feeling qui est plus joli là. Ça n'a pas un feeling là. Tiens, écoute. Nous finirons dans sa saga de Ambrou. Ouais, mais oui, encourager, vous dire, moi, c'est mon papa qui a sa tête. Moi, je finis faire difficile là. Et que Sukhdev Goswami peut me dire récompense, nous peut dire, hé, ils ont fini faire ça, le fils, le gars. Vous pouvez comprendre? So, ils sont suivis de lui. Ils sont suivis de lui. So, Sukhdev Goswami dit, ok. C'est un peu plus que j'ai comment je suis là, les classer. So, he goes on, he explains, ça, le gars. Il revient là. Et là, il explique. Voilà. Ok. Sorry. Il explique ça. Après, il explique Visarga. Sa secondary creation. Il définit comme Brahmano Guna Vaishamyat Visarga Paurusha Smrita. That's the definition of Visarga. The secondary creation for Brahmaji, qui. Faire par interaction de trois modes de la nature matérielle, guna, comment se mélanger, appelle Visarga. Vous trouvez, il est très, très, très systématique. Il est très scientifique. So, maintenant, il y a la description de sthanam. Dans verset 3, nous décrivons Visarga Sarga. Dans verset 4, Bhagavatam, vous pouvez toujours dans 10e. Il dit Stita, ça est très joli. Stitir Vaikunta Vijaya. Stitir Vaikunta Vijaya. Poshanam Tadanugraha. Manvantarani Saddharma. Utayakarma Vasana. So, Sthanam, maintenance by the Lord. Ça, c'est intéressant. Guide-nous lire sur anglais. The right situation for the living entities is to obey the laws of the Lord and thus be in perfect peace of mind under the protection of the Supreme Personality of Godhead. Alors, comment Prabhu tu peux dire? Je fais une petite distinction entre Poshan et Sthanam. Sthanam veut dire quand nous pouvons suivre, malgré qu'il nous peine, nous payons affection pour Krishna, disons. Mais nous suivons un ashram, nous suivons rules and regulations for human behavior. Nous pouvons être protégés par Bhagavan. Parce qu'il y a une création, pareil comme un garçon, dans la case, il y a un bon garçon. Les peaux héritent, son papa se dit bien sur la case. Son lit peut être maintenu correctement. So, c'est un mot extraordinaire là-dedans. Sanatan Goswami disait, Sthanam is defined as, et je vais trouver là, Stitir Vaikunta Vijaya,
Lija, the true situation, sthanam, is a realm of Vaikuntha, but it is Vijaya, the glory of the Lord. Why? Paskiri Vaikuntha Vijaya, Vaikuntha Pafanuja Bhagwan Sri Vishnu, Pafanuja Bhagwan Sri Vishnu Sudham. Sa glory Bhagwan Sri Vishnu, Bhagwan Sri Krishna, Salman lead to sell cup of metinia, like his children. Personne pas capable de maintenir. So quand nous trouvons dans Paramatma Sandarva, dans Understanding Paramatma, qui m'a Bhagwan lui rentre dans toute petite chose pour lui maintenir sa vraie situation dans le monde. Et Sthanam aussi veut dire, Prabhupada lui dit, status quo, the Sthanam, the planetary system. So qui fait à lui décrire sa planetary system, Sthanam comme un planetary system? C'est parce qu'il lui crée sa situation-là. Pour un jivatma, il a une position correcte dans le monde matériel selon notre avancement, selon notre désir, selon notre activité fructive, selon notre dhyana, selon notre avancement dans la vie spirituelle, selon notre désir. Il a une situation correcte pour notre cas fonctionner. Un peu comme on a deux enfants, trois enfants, chacun a envie de faire différentes choses ou créer une situation individuelle pour eux. Ou pas créer. Ou pas force tous les enfants pour faire même d'affaires parce que ou so you create a particular situation for each of them. La Gosali crée un le monde qui vraiment varie comment nous peut trouver ça ça. So ça sthanam, the maintenance or and the journey, maintenance by the Lord, journey of the jivas in the creation. So les permet so parfois réponse là les clair les. Réponse à l'éclair. Qui fait Bhagwan lui fait tout ça là? Get tout propre l'exemple dans la case où il y a cinq enfants, quatre enfants, trois enfants, tout pas pareil. So Bhagwan lui crée une situation pour toutes les personnes, différentes situations pour différentes personnes selon la direction qu'ils ont pu envie d'aller. So sthanam, he makes the situation perfect for everyone. Et quand il crée sa variété de situations, sa variété de chemins, tout point mène côté lui parce qu'il est déjà dans le Bhagavad Gita. Hein? Il ne faut pas suivre n'importe qui grand du monde, mais tout un chemin amène à moi. Mais il crée sa situation-là. Qui est capable de faire ça? Ça, le monde-là, que tout le monde gagne une certaine leçon. Qu'il y ait un devta, qu'il y ait un danov, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait un crocodile, qu'il y ait un lion, qu'il y ait un humain, qu'il y ait une fourmi, qu'il y ait n'importe qui s'en a. Li crée ça le monde là, qui the journey of the jiva soul is toward salvation, sthanam. Only he can do that. La Gosa li dit, sthitir Vaikuntha Vijaya, that is his glory he can maintain. Si demain, un bon professeur qui dit, demain, tout le monde décide pour pas travailler, pas pour manquement, c'est pour personne, parce que Bhagwan infini fait arrangement pour. Et ça m'est pas arrivé qu'un jour, pas pour envie de faire quelque chose parce que nous. Il y a quelque chose qui pousse nous pour faire ce travail-là. Et ça, c'est le prochain sujet qui veut dire Utaya, outil. Sthana, prochainam, outil. Parce que nous, tous, il y a différentes tendances pour nous agir, nous pour agir. Sur les créer différentes qualités planètes, différentes qualités systèmes, différentes qualités de la vie, différentes qualités de l'univers, différentes qualités d'activité, différentes qualités de tendance, différentes qualités de mentalité, il crée tout ça là pour faciliter nous pour pouvoir agir. So how sweet is the Lord? So si vous ne comprenez pas, vous trouvez tout quelque chose pas bon. Non, mais la cosa qui sthanam, he is sthitir, the creation of the whole planetary system, the creation of different journeys. Bhagwan tout seul qui va faire sa maintenance là. Si vous avez venu dernier l'air, fait un temps de venir, tu as crasse pour tout, brille pour tout. Mais minutieusement, pour maintenir quelqu'un dans la direction de la vie spirituelle, pour y arriver au dham, only sthitir Vaikuntha Vijaya. That is his glory. So Vijaya is so glory. Only the Supreme Lord can do that. Nous arrête là. OK? So, nous continuons avec l'explication. Et là, nous continuons avec l'explication. Ça va les autres neuf sujets semaine prochaine, mardi. Et là, nous pouvons trouver qu'il y a différents sujets. Là, il reporte, il y a un Bhagavatam, comment il était. Hare Krishna.
ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जाए। शिशिनिता गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। Thank you, Prabhuji. Explique tellement bien par moi, Sukhdev Goswami, expliquer en détail. Your superb teacher. Sukhdev Goswami, on va se lui pénétrer un petit lever, un petit crâne, mon corps. Your superb teacher. Bien, mauvaise génération, lever. Pas qu'à dire, moi, tu sais, lever là, c'est moi, Sukhdev Goswami, se lui pénétrer pas, tu peux lever. So. That's very nice explanation, Prabhu. Very, very brilliant man. Very well explained. Yes. Mujhe ja dans septième canto, Prabhu ji, mujhe bheja kuma Krishna ko liye the. Dans septième canto, Bhagwan il fait une cachette. Dans septième canto, Bhagwatam lilaba, il peut écouter Bhagwatam avec Narad Muni dans Yudhishthira Mahasaya parler. Il peut encore un Sangadev Prahlad Mahasaya katha et Bhagwan il là-bas, il est présent. Et il peut écouter katha. Katha là, il peut raconter pendant la demi à Yudhishthira Maharaj. Oui, mais Bhagwan, il peut écouter. Bhagwan est présent là-bas dans le septième canto. The whole seventh canto is present. But he's just listening the katha. Il peut assister comme un bon garçon, comme un Dianat. Okay. En effet, moi, je peux faire un commentaire sur ce que Matadine dit, fait que là, Prabhu, il bien expliqué. Et qu'aujourd'hui, la recette dont elle, comme Prabhu, tu peux dire, pose question et commente, me dire non, pas disturb ça flow là. Ouais. Si nous parlons pose question, nous pouvons faire un commentaire, nous parlons disturb ça flow là, et que là, il n'est pas pour bon. Ça, c'est ça. C'est, oui, ça, c'est mon personnel view, et qu'elle nous a vraiment bien apprécié. Et qu'une affaire qui nous a remarqué, nous a connu, qui Krishna est le provider de toutes les affaires de connaissances et de l'habilité qui nous est là dans n'importe qui service, qui nous a supporté, qui nous a coupé un petit bambou, un petit l'air pour nourrir, un petit manger, ou bien qui est côté santé, qui est la musique, qui est côté pendant le preaching program, maintenance of temple, preacher. Mostly preacher, de bien servir à Krishna. Et quand nous commençons à engager dans le preaching, là nous gagnons empowerment by the Lord Himself, sur le Guru Parampara. Non? Oui. Alors, oui, vous pouvez remarquer, me trouver, comment Matadine dit, vous bien expliquer comment sur le Guru Swami. Oui, sur le Guru Swami, quand on peut preacher, si on peut avoir un livre, définitivement, il peut empower. Il peut empower, il peut venir. Non? Là, je dis, je suis dit, c'est pas pour être vital, il même dit, pour être sur le place, je dis, hé! Le flow là, c'est bon, mais tout ça fait, c'est bien classifié, non? Et tout ce qu'on a fait. Mais sans qui fait ça, c'est empowerment of the Lord Himself. Non? Alors, nous, toujours, nous n'avons pas besoin d'attendre cet empowerment, nous disons, ah, nous avons un désir de faire ça, Bhagwan, pour donner l'esprit. Oui, mais besoin d'action là. Hare Krishna. Moi, tu as envie de faire un dernier, ce que je connais. Ban plusieurs camarades incluant Yodhya Prabhu, Guru Charan, nos camarades de longue date. Nous pensons que nous faisons katha, nous faisons ça, mais nous avons envie de nous lancer un programme demain. Et le programme que nous pouvons lancer, nous appelons ça Kirtan Sandhya. Nous bougeons dans la case différents rendez-vous. Et chaque samedi, à partir de 7h30, dépend. Demain, nous parlons de Guru Charan dans la case. Il y a beaucoup d'Haïti côté, nous parlons de Mon Kripa. Nous passons, nous faisons Kirtan en 1h30. Ce qui que Kirtan, juste Kirtan, non rien à part Kirtan. Mais nous faisons une suite méditative Kirtan. Juste suite, simple, au lieu d'être pour vous là-bas. Et les autres dévots pour join in. Nous ne pouvons pas grand la foule. Nous pouvons simplement des dévots qui sont capables de baisser la tête. Mais tout chador le ou la tête n'est qu'écoute Kirtan, hein? Complètement rempli avec affection pour Bhagwan Sri Krishna, sweet, soft Kirtan, meditative Kirtan. Problème, ce n'est pas qu'il n'a pas envie du monde venir pour chanter, nous avons envie du monde venir pour écouter. Quand nous prenons beaucoup de gens venir pour écouter, tout le monde se sent bien. Parce que moi, tout le temps, je dis Kirtan, je suis quand du monde écoute, pas quand du monde chante. Quand du monde écoute, Bhagwan Sri Krishna, Shravanam. Pravishta Karna Randrena.
So, nous demandons tous votre bénédiction. Nous vous commencez à partir de demain. Nous finissons beaucoup plusieurs places chaque samedi. Que Prabhu Chetaguru, que moi, que Prabhu Ayodhya, que Prabhu Guru Charan. Demande les autres dévots aussi pour commencer à finir. Que mon frère, entier Maurice, nous pour aller. Demande dévot. Et nous pouvons faire, nous tu peux penser des temps, mais nous pouvons commencer un temps et demi qui est temps. Nous prenons trois ou quatre personnes pour lead avec harmonium. Nous pouvons demander Mandevo qui a envie de faire Kirtan et qui fait nous connaître. Et deuxièmement, Mandevo qui connaît la musique, join in. Et nous pouvons stream live dans nos pages. Guru Charan Prabhu les share avec 400 personnes qui suivent sur Mandevo Puja. Prabhu Ayodhya, parce qu'on a comme 1000 patients. Moi, il y a quelques personnes qui suivent nous. Donc, so, nous pouvons faire ça Kirtan chaque samedi. Parce que c'est Kirtan qui manquait dans nous la vie, parce qu'avec COVID, tout ça, la descente pas fini de gagner un bon Kirtan. So, nous commençons. Samedi, moi, on a cours dans la journée, mais tantôt, on ne peut pas faire aucun cours. On parle dans assis avec mes camarades, comme on dit dans Bhagavatam. You know, quand les nez yoga, non, comment dire? Kaler do she nidhe rajan. Astiye ka mahan guna. Qui dans Kali Yuga, il y a beaucoup de doshes, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, dans tout qui se passe. Nidhe Rajan, astiye ka mahan guna. Sukadeva Goswami dit, Parikshit Maharaj, mais il y a un mahagun dans Kali Yuga. Qui est ce mahagun? Kirtanadeva Krishnasya. Assise, Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangha. In the association of devotees. Mukta Sangha Vijay in the association of devotees. Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangha Param Vrajet. The highest glory, the highest thing we can do. So, nous pensons nous faire une fois par semaine. Nous pouvons demander l'organisation, nous pouvons dire prashad, nous pouvons dire pakora, nous pouvons dire jitir, nous pouvons dire noé. Nous faisons un arrangement, nous avançons un petit sofa, nous mettons dans le cœur, les autres devons capaciser, nous mettons 3-4 nattes, nous avons tout, nous avons d'affaires. Prabhu, nous avons parlé à micro, urdanga, harmonium, tabla, tout ce qui est nous. Nous pouvons venir, nous avons nous faire kirtan. Si y en a 5 du monde libon, si y en a 25 du monde libon, si y en a 500 du monde libon, nous pas care. So, si vous avez envie book, vous pouvez contacter moi ou bien vous pouvez contacter pour Guru Charan. OK? Ou ça, Prabhu Ayodhya. Ou ça, vous pouvez contacter Prabhu Hare Krishna Das. Si vous avez envie à la Finlande, vous pouvez payer avion tout. Nous voilà. OK? Midsommar ici. Pendant la nuit aujourd'hui. Pendant la nuit aujourd'hui, soleil, une nuit de soleil. Soleil pas couché aujourd'hui. Oui? Midsommar. Vous-même? Oui. Soleil, il y a plein soleil là. 8h du soir, plein soleil. 8h du soir. Elle est là pour vous. 8h à soir là. Wow. 8h30 à soir, soleil. Pendant la nuit aujourd'hui. Wow. Hare Krishna, mais nous capons la bateau. Pas de problème. Ok, Hare Krishna, Grand Taraj, Shumar Bhagavatam Ki Jai. Mandevo qui est intéressé, join le Kirtan demain, Highlands, côté Prabhu Guru Charan. Ok, nous pour là-bas, c'était à nous pour commencer. Nous pour installer tout et nous pour continuer à faire nos Kirtan pour un être et demi. Hare Krishna. Je donne envie de suivre le nous passe Facebook, le nous passe YouTube et le Bhagavad Gita Center, le nous passe personnel. Now we'll have sweet Kirtan. Hare Krishna, Grand Taraj, Shumar Bhagavatam Ki Jai. Thank you. Jai Shri Krishna, Jai Shri Prabhupada.